J'aurais dit que de récupérer là au coin, d'accord. Je vais avertir le CRS. Tu peux rester là. C'est bien t'installer, on va enlever ton sac déjà pour que tu t'en sers comme support. Ah ouais, mais... Non, mais ne bougez pas trop comme ça. Non, 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 ne bouge pas. Est-ce que... T'inquiète, hein. Oui, moi j'y étais, parce que c'est tapé dedans. Ils ont tapé à l'intérieur, on s'est protégé et ils ont tapé. Ils sont rentrés pour se protéger. Donc on va voir si les pompiers arrivent. Filme-le. Filme-le, pose-lui les questions et tu filmes. Filme en direct, c'est en direct. Partagez, partagez. C'est un strict médic. Julien, pas grave. En plus, on le soutient beaucoup pour sa maman. On le soutient beaucoup pour sa maman. Et en fait, j'ai commencé à être à l'intérieur. En fait, ils ont commencé à venir sur nous, à commencer à dire ouais, il faut nous rendre les matos, sinon on garde à vie et tout. Donc, je voulais pas prendre mon matos. Et là, ils m'ont encore matraqué. Et votre mère, elle est malade? Ma mère, elle a le cancer, tout ça. Il faut y aller. J'ai négocié avec les CRS pour qu'ils se sortent là et on va attendre les pompiers. On va t'aider. Ils sont appelés? Oui, oui. Qui c'est qui peut prendre son sac? Ouais. Lui son pantalon, non? Allez, Julien. Jamais. C'est la guerre, toujours. Ils m'ont même pas laissé passer. Ouais, il s'est matraqué par les vagues.